bonjour à tous, c'est Choublou où je vous embarque pour un nouveau game, mais cette fois-ci c'est Verminted Warhammer, Verminted 2, non pas le 1. Et je le conseille, et franchement ça vaut le coup d'avoir ce jeu, le 1 et le 2, pour une somme de 18€. Vraiment, vous allez passer un bon moment en coop avec des amis, des youtubeurs, bref, vous allez passer des super moments. C'est parti, on va partir tout de suite dans le game, je vous embarque tout de suite. Allez, voilà, graphiquement, voilà, je vais essayer vraiment de vous faire profiter. Hein. J'ai une 1070, une Nvidia 1070 GTX qui ne rougit pas. Vraiment, on voit le détail de ce jeu et la carte, vraiment, elle s'exprime en fait. Voilà, elle s'exprime. On regarde que ce jeu est magnifique. Techniquement, on peut rien dire. Voilà, on a le personnage, regardez, on va s'approcher et on voit le visage, il est vraiment bien réalisé. Là, il fait un peu sombre, mais on voit, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Aujourd'hui, on est en 2018 et on réalise vraiment des super jeux. Et ce jeu, il est sorti, je crois, qu'il y a 5 ans à peu près. Voilà, donc je continue. Ici, nous avons la fameuse carte, la carte pour nous emmener dans les missions. Donc, on continue. On visite le château. Là, je pense, c'est le pont des ombres. Et ici, vous avez en fait un genre de sorcier qui prépare des potions, des boissons pour la santé, des boissons pour avoir du boost quand vous avez les ennemis qui vous attaquent. Hein, c'est des vagues d'ennemis et il y en a plein. Et vraiment, accrochez-vous, il y a même un rat gorille. Hein, on va voir ça, on va découvrir à fur et à mesure dans ce game. Alors, moi, je continue. Hein, j'explore, donc on peut pas, attention, si vous sautez dans la falaise là, eh ben vous êtes mort. Donc nous on essaye de regarder tout ce qui est graphique, regardez, voilà, c'est le détail, hein, c'est pour vous, hein, vraiment graphiquement il est beau, on voit même sur le bord du mur, ça brille, ça veut dire que ce jeu a bien été travaillé par rapport au 1 qu'on connaît. Voilà, il y a des petits défauts au 1, mais on voit que la team, hein, le réalisateur de ce jeu, hein, la maison de production, a bien réalisé, hein, le volet 2. Moi, je trouve qu'il est vraiment superbe. Regardez, on croirait une vraie tempête. En haut, il y a même des... je sais pas c'est quoi, des oiseaux qui viennent passer. Ouais, c'est des oiseaux, des corbeaux. Bref, vous êtes dans un monde sombre. Regardez la tourelle, hein, il pleut, il y a de l'orage. C'est vraiment bien réalisé. Alors là, on continue. On visite le château. Donc comme c'est Halloween, voici une petite citrouille qui est à votre disposition. Vous pouvez la prendre, faire un masque comme vous voulez ou la manger dans le couscous. Bref, c'est une citrouille qui est à votre disposition puisque hier, le 31, c'était Halloween. Voilà mes amis, oula, il y a de l'orage. Alors, il y a de l'orage, vous avez entendu le tonnerre. On continue, hein. On visite le donjon ou le château. Hop, il n'y a plus de porte. Merde. Bon, on a fait le tour, on monte. Et hop, nous revoilà en fait. Hein. Voilà, on est passé de l'autre côté. Et hop, on revient à la caisse de départ. À la caisse de départ, on va aller vers notre carte. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va déclencher la première mission. Alors, sachez que la première partie, hein, c'est là, vous cliquez. Donc vous faites déjà recherche du salon et vous allez voir plusieurs parties disponibles. Ici, on voit le dessin divine à contre-courant. Bon, à chaque fois, vous avez des missions, hein, et le nombre de joueurs disponibles. Donc là, il y a de la place. Donc on va partir pour cette mission, n'importe laquelle, hein, on n'a pas besoin de choisir. Et du coup, vous avez les personnages disponibles. Le barbare, le petit, hein, le Trisalis. Et vous avez, même pas, c'est la mission ça. Hot Trisalis, mission dessin divin, difficulté recrue. Joueur, 4, et il y en a 2. Il y a 2 places disponibles, on va partir. Statut, démarrer. Donc on va choisir quand même, on va nous dire comment on peut accéder aux personnages disponibles. Sachez que quand vous avez 2 croix rouges, ça veut dire que le personnage n'est pas disponible pour le moment. Donc vous pouvez jouer qu'avec les personnages disponibles. Pardon. Voilà, il nous raconte ce qui se passe. Voilà, vous lisez en même temps. Hein. Voilà.
Mais franchement, il est bien. Hein. Ce jeu vaut le coup de l'acheter pour 18€, je crois, les deux. Et vous pouvez jouer, je me répète, en cop. En cops avec vos amis ou des youtubeurs. Mais ce qu'on retient, c'est l'ambiance. Hein. L'ambiance, elle a bien été réalisée. C'est un jeu sombre, c'est vrai. Mais vraiment, c'est brut. Il faut combattre, repousser l'ennemi au maximum de vos forces. Alors, on y va. Donc, lisez tout en bas. Hein. Il faut toujours lire en bas. La potion de célérité affecte votre vitesse de déplacement et d'attaque. Donc, il y a certaines boissons qui vont vous troubler. Alors, on est là. Voilà, on y va. Moi, j'ai pris le... Alors, faut survivre. Hein. Alors, faut survivre à la vague. Ils arrivent. Hein. Regardez, regardez en haut. Vraiment, c'est superbe. Voilà, je me répète, si vous êtes nouveau ou vous venez de découvrir ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, c'est important. Je veux réaliser mon objectif avant fin de l'année, atteindre les 2000 abonnés. Et si vous êtes abonné, n'oubliez pas de cocher la notification et de recevoir, vous allez recevoir toutes les nouveautés qui vont sortir sur la chaîne. Et pourquoi pas aussi, vous pouvez participer à l'autre émission que je propose, c'est j'analyse vos chaînes, tout simplement, et je fais des directs pour nous faire gagner des abonnés mutuellement. Voilà, j'avance et vous avancez avec moi. Voilà, je suis mort, ça a été vite, bref, net. Voilà, donc je peux rien faire d'autre que patienter que si mes amis viennent me réanimer, mais je pense qu'ils vont pas y arriver parce que ils sont en train de prendre. Ah bah non, c'est bon. Oh là là, je disais n'importe quoi, pardon. Donc voilà mes amis, je fais ce petit test vidéo. Si vraiment ça vous plaît, laissez un commentaire d'encouragement, un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Mon objectif, c'est d'arriver à 2000 abonnés avant fin de l'année et j'essaierai aussi de vous proposer des cartes Google à chaque mois, proposer des petites cartes comme ça que j'achète, où vous pouvez acheter des jeux, où vous en faites comme vous voulez ou vous les offrez aux personnes que vous aimez. Il ne me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao!